Pour ce type d'instrument, on essaye d'expliquer le fonctionnement en fait, de ces instruments qui permet de comprendre aussi les mouvements de la Terre autour du Soleil. On va pointer un certain nombre d'objets pour pouvoir montrer les constellations, c'est-à-dire faire une lecture du ciel, donc qu'on a préparé là aujourd'hui un petit peu en salle avec la carte du ciel et Memo Sky. Et puis ensuite, on va pointer des objets comme des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, et on va pouvoir les observer avec les instruments. C'est toujours une émotion. Et les planètes sont toujours quelque chose, un balai extraordinaire. Là, ce soir, on va voir tout à l'heure Jupiter avec ses satellites. Et regarder la danse des satellites de Jupiter autour, comme Galilée l'a fait il y a 400 ans avec sa petite lunette, c'est toujours quelque chose de merveilleux, même si moi, ça fait plus de 10 000 heures d'observation derrière un télescope, donc en observation visuelle. Et c'est toujours un plaisir de regarder les planètes et les nébuleuses comme la Grande Nébuleuse d'Orion. Donc, je vous demande simplement...